rappelle encore de cette époque où je m'entraînais sans cesse avec mes amis. Victoire après victoire, nous étions devenus les meilleurs. La mer et la pirogue, c'était toute ma vie. Jusqu'à ce que je la rencontre. En la regardant se lever chaque matin, je me rends compte à quel point elle est belle. Je revis ces moments que l'on a vécu ensemble ces dernières années. Et je n'arrive toujours pas à m'adapter à cette vie moderne. Il semblerait que quelque chose entre nous ait changé. Et je ne sais toujours pas. Oui, allô? Oui? Non, tu la veux cette mission? Alors sois-le. Non, je veux rien savoir. Si tu la veux cette mission, sois-le. Ça arrive. Les gestes d'affection s'effacent pendant que la solitude s'installe au plus profond de mon être. Et moi, où j'en suis? Chérie, tu devineras jamais ce qu'on m'a proposé aujourd'hui. J'ai été promue directrice. Mais en même temps, je ne sais pas comment faire, parce qu'avec la kermesse, le voyage en Nouvelle-Zélande, là, avec les enfants, je ne sais pas comment faire. Mais bon, je vais y réfléchir.
Vous avez du poisson? Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui. Oui, c'est moi. Quel poisson déjà en prend? Non, je t'ai demandé de ramener du perroquet. Mais c'est pas possible, ça. C'est pas capable de retenir ce que je te demande. Et puis cette fois-ci, tu me ramènes un tas entier. Tu as compris? Du perroquet. Ok, allô? Ah, voilà. Ça va? Oui. La vie modeste de cette femme me rappelle ma vie passée. En posant sur moi son regard, pour elle, j'existais. Lorsqu'on s'y attend le moins, la vie nous réserve de bonnes surprises.